Hey tout le monde, du coup ça y est, c'est parti, Summer Vibes épisode 6. On est on est à Tahiti avec Jorgan. Là on est sur un petit quai, il y a le petit bateau à côté. On va prendre le bateau, partir à Tiopo, premier surf à Tiopo. Je t'avoue, j'ai un peu le trac, mais un peu excité aussi à la fois. Donc on va voir s'il y a un peu de swell. On va peut-être avoir un petit 2 mètres, donc on verra si on chope quelques tubes. Et on va essayer de scorer et franchement je pense que l'épisode il va être dingo. On va essayer de visiter un peu toute l'île et tout. Donc c'est parti, premier surf de Summer Vibes épisode 6 à Tahiti, let's go. Ok, donc là ça y est, on a Chops, on a pris le bateau, il y a les Jorgan là, il y a Emeo et Kaoli à l'eau. On va se foutre à l'eau, il y a quelques bombes qui passent un peu, donc, premier surf. Ça va être bon là, hein. On va tester, on va essayer de pas prendre trop de branlées, essayer d'avoir quelques bombes à raid et voilà quoi. J'ai raid sur les patentes par contre. J'étais là avec les mousses et tout. Ouais. Pas d'eau. Ouais, normalement tu devais sauter. Hein, ouais, mais en fait, genre, quand je suis passé le fond bas, j'étais encore trop deep pour sauter. Un truc, du coup, j'ai raid et quand je suis sorti du tube, elle a fermé donc j'ai doublé en moitié. Putain, t'as fini dans le lagon toi, mec. Je t'ai vu prendre une vague et pendant 30 minutes, je regardais le bateau et je voyais personne sur le bateau. Je disais, ah, mais il est où, je regarde quoi. Je me suis fait arroser là, j'ai fait wop, j'ai fini dans le chenal. Oh, c'est la deuxième fois que je finis dans le lagon là. Mais c'est impossible de revenir après, il y avait des 7 sur 7. Là aujourd'hui on est au pied d'une petite falaise, je crois on va faire une petite randonnée. Donc on est à Vaipai, je crois que ça se prononce comme ça, mais bon, il faut que je m'améliore un peu sur l'accent thaïtien et tout. Mais ouais, on va faire une petite randonnée avec les boys un peu. Je crois qu'il y a des petites cascades ou des petites rivières et tout, donc on peut voir comment ça se passe et on peut faire une petite marche un peu. Allez. Verticale là un peu là. On commence à monter, les cannes ça commence à tirer là un peu là, mais la vue est belle donc ça vaut le coup hein. Mais c'est pas fini encore donc on va continuer à grimper un peu là. Le chaud, ici il fait le chaud, il marche comme ça là.
Tu le vois, tu le vois, regarde, il s'écarte, il s'échappe. Putain. Oh, c'est ouf. Je suis pas un fan de marche et tout, de randonnée, c'est pas mon kiff, mais là, paysage est dingue. Dans le milieu des arbres, au milieu de la forêt, perdu. C'est incroyable, on est genre au top of the mountain, quoi. Trop frais, trop bon. C'est le kiff, on continue. Regardez l'autre, là. Avec sa gueule, là. Je sens le saut quand on va se foutre en l'air, là. Ouais. C'est qui va y passer entre nous tous. Quelques bons bols à air un peu, donc là il y a Jorgan qui est à l'eau, je vais aller le rejoindre. On va boost un peu parce qu'il y a vraiment de quoi faire des bons airs là, donc on va faire un petit concours d'air un peu, voir comment ça se passe et c'est parti pour aller faire un bon petit surf. Là d'abord je vais sauter, donc, la petite charpaille, l'eau glace, les trois kickflips. Ok, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter la vidéo. Là ça y est, je suis dans l'eau, l'eau hyper bonne. Il y a des putains de sections. C'est parti pour faire un bon petit surf, booster un peu. Et c'est pas se faire les chutes de genoux parce que là ça fly quoi. Allez go. Putain, je sens pas la descente. Ok, bon bah là on est perdu au milieu de nulle part. Oui. On va se faire un petit casse-croûte, quelques petits sandwichs, on va visiter les cascades après. Faire quelques petits sauts je pense et... Voilà quoi, tu fais la vie. Living the dream. T'as laissé l'enceinte dans la voiture. T'es vraiment un blaireau. Oh putain. Avec là on se mettait du petit Zumba caféo. Caféo carnaval là. J'ai pris l'enceinte. Mais lui, tu vois, au moins, heureusement qu'il y en a deux, hein. Voilà, ce sont des jambons fromage. Petite cocoque par le Captain Carlou. Là, on est bien, hein, entre boys. On est au paradis. Meilleur endroit pour le goûter, là. Chine. Even if you're just part of this special kind, struggling to survive. Well, I grew up in a dirty world, so sorry now I've got a dirty mind. Deux, trois, go, c'est... go. Ouais. Par contre, j'ai tapé des skips de ouf là. Vous avez créé un truc de la montagne.
Ouais, ouais, dans deux un peu, mais ça va quoi. Un shot sur 6, ça va aller. Chops, c'est un peu plus petit que la dernière fois, mais c'est on. On va se faire une bonne petite session. C'était pas foutre en l'air sur le reef. Y'a de personne à l'eau, c'est grave, c'est le gym. Gym Tahiti, et bah c'est parti, hein. Go pour faire mon petit surf et Tahiti va bizarre. Allez. Ça y est, fin de l'épisode 6 de Summer Vibes. Donc là, on vient de sortir de l'eau. Chops, incroyable. 3-4 à l'eau, c'était dingue, on s'est gavé. Quelques petites vagues, c'était pas hyper fat, mais on s'est gavé, ça faisait trop plaisir. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne. Et petite annonce à vous faire, donc si vous voulez que je diffuse l'épisode 7, donc qui sera le dernier épisode de Summer Vibes, dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse. Si je vois qu'il y a un max de commentaires qui me disent oui, vas-y, envoie l'épisode 7, bah je vous fais ça, et donc il sortira le 25 octobre, donc le dernier dimanche du mois d'octobre. Et j'espère qu'en tout cas vous le voudrez, parce que moi je le veux, et franchement j'ai des idées de ouf pour l'épisode 7, donc dites-moi ça en commentaire, et voilà quoi. Clique ici pour t'abonner comme d'hab, ici pour regarder plus de vidéos, et peut-être rendez-vous pour le 25 octobre pour l'épisode 7, qui sera le dernier épisode, si vous le voulez. Dites-le en commentaire.